Aujourd'hui, je vais cuisiner la viande de bœuf, les matembélés avec de l'huile de palme et je vais mettre le poisson fumé Ngolo dedans. Donc ça, c'est une viande bio qui vient de l'est du pays, donc à Goma. Donc c'est une viande de bœuf de Goma. Donc, je tiens à le préciser et vous allez voir la différence par rapport à... Non, vous n'allez pas voir la différence parce que vous n'allez pas manger ça, ça c'est sûr. Mais nous qui allons manger, on va voir la différence par rapport aux autres viandes de bœuf. Parce que la viande de bœuf qui vient de Goma, elle est vraiment tendre, elle est bio et le goût est vraiment, 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 vraiment succulent. Donc on va passer aux épices et je vais vous expliquer comment je vais le faire tout au long de l'émission. Pour la viande, donc pour la viande j'aurai besoin de, donc là j'ai mélangé plusieurs épices que j'utilise souvent. Donc on a le gingembre, tangawisse, ça c'est un mélange des épices de viande, muscade et le poivre blanc. Et pour la viande bien sûr je vais utiliser le céleri, la ciboulette, ndembi, et pour les matembélés je vais utiliser deux aubergines, un demi-oignon, du piment. Ce piment, ça pique. Ça pique. C'est le piment de Goma aussi. Donc, je vais utiliser ça aussi pour les matembélés. Mais je vais vous montrer comment j'utilise ça parce que je pique ça avec de l'ail. Et cette gousse d'ail, je vais l'utiliser pour la viande et les matembélés. Donc les poivrons, j'en ai pris des grosses. Je vais utiliser ça pour de la viande parce qu'on va faire de la viande un peu sautée. Ça ne sera pas trop soupe, non. On va, vous allez souvent voir. Et puis j'ai ce mélange d'assaisonnement. Donc on a un peu de piment, on a un peu de clou de girofle. Vous allez voir aussi avec le temps. Donc voilà, on y va. On va passer par la première étape. On va couper la viande. Vous avez pu le constater, mais la viande que j'ai achetée a été coupée grossièrement. Donc pour ma recette, je vais quand même essayer un peu de diminuer la forme de ma viande. Donc je vais couper la viande. Parce que je trouve que quand c'est trop gros comme ça, l'épice est trop tard vraiment. Je vais encore diviser ça. Voilà. Donc pour ceux qui vont parler par rapport à la viande, elle a déjà été très bien nettoyée. Oh, bah si on a bien une nuance, on a le là qui déjà. Et puis c'est une viande déjà vraiment là-bas. Singamingité, au banner, non, c'est vraiment une viande qui est vraiment très tendre. Vous allez même remarquer par ma manière de couper, elle est vraiment pas compliquée. Bon, ça c'est un tablier. Ouais, tablier là. Bon, ça non. Bon, bah, ma bé. Donc voilà, on va mettre là, là. Là, je vais essayer un peu d'enlever, mais vous voyez vraiment, il n'y a presque rien. Donc, c'est vraiment une viande qui est tellement tendre. Je vais la diviser tous en deux. Là, je peux enlever ici. Essayer d'enlever celle-là aussi. Yeah, I'm gonna make a curve.
peu sourire. Il m'est sécurisé. Mamadou, tu vois que tu as ma mort. Au collègue, à YouTube, les caracas, désolé, car on est allé. Il faut qu'il en ait déjà ouindé, hein? Oui, bien. Maman, au quoi on boule les alicolos. Voilà. Oui. Ah, de tout quoi, on a fait émission, eh. Mais le côté émission, non, non. Vous avez besoin de bailler avec vous. Maintenant, ce que maman a dit, on va dans le bas. Ok. Mamadou, vous êtes là. Donc voilà, c'est fini. On a tout coupé. Gingembre, poivre blanc et la solution de la viande. Donc c'est, une épice, une poudre d'épice. Il y a viande, cap. On va mettre le tout. Je vais prendre la râpe. On va râper muscade. Et là, les bosses sont en année, mais c'est que je n'ai pas tantôt tchamb et pisse. Et blamba, ma chaleur et amour. C'est très important, les mamans. Tu vois, ça a été en fait. Tout ce qui est viande à bouillir, il fait quoi, tu as épice avant avec son moment maille. Est-ce qu'il y a un moment paix et botara maille? Donc voilà, on va essayer un peu de mixer le tout ensemble pour qu'en fait les épices soient nous parce que j'ai mis dans la whiz. Oh mon recours, je vais nettoyer. Donnez vous mon abouillé, montez comme mon matin, on va mélanger. Je vais laisser un peu évanouir dans la chaleur, hein. Après je vais rajouter un peu d'eau. Donc voilà, comme on est comme botasikoyo, maïna omoko. Donc je vais un peu laisser pevanda sous la chaleur. Donc maintenant on va
arrangé. Donc, donc c'est ce que je vais mettre dans le matembe. Donc, je vais vous montrer comment j'arrange le poisson fumé. Donc, où est-ce que vous avez un peu de donc je veux juste enlever les arêtes comme ça. Donc voilà, je vais d'abord commencer par faire ça. Je mets ça dans l'assiette comme ça. J'enlève d'abord la tête parce que moi je n'aime pas trop la tête dans les légumes. Je sais pas d'autres personnes, mais on est rappelé là tous les légumes là liés à monter. On relie les arêtes. Voilà. J'enlève entier comme ça. Je fais la même procédure ici. Voilà. Comme ça. Je tenais à préciser un truc. Chaque personne a sa manière de préparer. Chaque personne a sa manière de se nourrir. Chaque personne a ses préférences en termes d'épices, en termes de tout. Donc à un moment donné, il faut arrêter de juger la préparation des autres. Tant que c'est propre, tant que la personne respecte les codes hygiéniques, vous devez aussi respecter sa manière de préparer. J'ai remarqué ça, enfin, c'est pas seulement sur YouTube, hein, même sur TikTok, lorsqu'une personne poste une recette à elle, ces gens, ouais, bah ça aura beau été. Il fallait pas aussi manger au boy. Mais non, attends, c'est la personne qui va manger. C'est pas vous qui mangez ça. Mais au moins, la personne a pris son temps pour vous montrer comment à ça la m'amener. Comment la m'a pas la moindre des choses, c'est d'apprécier. Le bain de soi qui a eu de basse à salité à tchè moussouni la carte. À tchè soso la carte. Toi, zola m'a bloqué zèle la carte. N'est beaucoup qu'on réprimandé parce que la cuisine, c'est d'abord l'hygiène. Et lorsque la chose est propre, lorsque la personne. Alors ça, moi, comme vous avez bien la moindre des choses, c'est quand même de féliciter. Ah, félicitations, vous savez bien, j'apprends une nouvelle façon de faire. Mais non, madame Barabou, c'est bien, madame Barabou, ça l'avait. Non, à un moment donné, il faut arrêter. N'est-ce qu'on allait à maman, mais toi, on volonté. On a vu qu'il y a un commentaire, bon, le bas. Eh, bah, bon, à monter, mais on allait à quand il y a un monté, on allait à la côte, on allait à monter. Donc, je voulais déjà préciser ça. On continue. T'es manico, c'est qu'atteint? Donc là, bon monique, ngombe et boti maï na ngombe. Donc la tchèque tout maï té. Donc voilà. Donc tu commences c'est quoi yo? Et limba. Et on continue. Donc nazo panza ngombe parce que moi, un gambissier hein, surtout la peau. Oh! La peau du poisson fumé. Ah, je veux mourir pour ça. Na lela ngofo et puis ngolo c'est mon poisson préféré hein. Et ça, il y a maille, et ça, il y a fumé dans les gens. Et ambisi, moi, ça a compliqué. Comme si, oh, bon, on a eu un entier dans ma tembele tout à l'heure. J'enlève les arêtes. Mais quoi, on a peut vraiment. Comment mais quoi, on a eu un peu, ils ont vraiment tranchanté. Mais tout le monde a eu un peu. Mais normalement, c'est vraiment pas si grave que ça. Donc voilà, je pense que mon poisson fumé, il est prêt pour être dans les légumes. Donc, on y va. Donc, je vais mettre l'huile de palme. Donc, au général, vraiment, ma foule à l'éloi. Pour que tu aies un peu. Donc voici mes matembele. Donc vu que je voulais être rapide aujourd'hui, on a soukola qui en haut, on a salaki, donc c'est déjà lavé, coupé. Donc peut-être que vous allez vous poser la question, donc voilà la réponse, elle est déjà lavée et coupée et nettoyée depuis ce matin. Voilà ma foutée, on a
pour son enfant, tu t'es, hein? Wow! Bien tourner ça. On les ôte là, je vais couper les oignons. Moi, c'est la marque avec Charlotte. Les oignons rouges. Hé! Hey! On a des langues, ma belle. Je vais mettre au cas. Je préfère. Et bien, on est là, mon comme il y a des gens, bah tiens, on a souka. Il y a des gens, peu, bah non, on a mis ça au cas au cas. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. On a seulement le même goût, on a les goûts des légumes, on a le goût des matembélés, on a le goût de tout. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas mis beaucoup d'huile. Parce qu'on a peine à lire un endroit où il est belété. Donc voilà. On est au calingama. Bon, on a bien montré comment vous ça maille en haut. Je vais laisser un peu. On a encore ta aubergine là. Moi je coupe souvent grossièrement, mais ça dépend d'une personne à une autre. On a encore un homme malin, nani, ça dépend de toi. Mais moi c'est souvent grossièrement. Je n'ai pas ta aubergine. On a fait notre chicken en gombe. Bon, et botimaï nango moko. Et nango bobaki au baksamaï. Il est tout mon botimaï boisé que l'on a pour sa maïté. On a pour sa maïté. Soit il fallait un baksamaï, j'allais juste ajouter un peu, mais là ça va. Yango mo et botimaï nango. C'est pour mon kalingama bien. Avant que Natchama, parce que je vais mettre un peu d'eau, hein, pour voir. Yon a soubé la maison kalingama. En attendant, dernier épice en tcha. Piment, na aïe, hein. je vais piler ça, désolé, en deux. Les deux au même moment. Donc, aïe, na piment, je vais mettre ça dans mon matériel. On va les piler au même moment. Les deux épices, le piment et l'ail. Qu'est-ce que je mets souvent dans mes recettes? Et bien, ça ressort un peu le goût. Hein? Parce que moi, on a la cuisine épicée. Moi, j'aime quand c'est vraiment, vraiment épicé. Est-ce que je vais mettre ça? Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu d'eau. Ah non, moi je suis là, je n'ai pas l'autre. Non, chaque amour. Tout le monde fait ce qu'il y a. Non, moi je suis là, je n'ai pas l'autre. Je n'ai pas l'autre. Je vais juste ajouter juste de l'eau. Voilà, c'est tout. Et je vais mettre un peu de sel. Voilà, c'est le sel que je vais mettre.
Voilà, ma tembe na bise beli bomoni aubergine comme au final un moment quoi. Donc je pense que et quitte à l'an. Je prends la serviette. Voilà, c'est prêt. Il y a un moment là, mon côté. Quand on quitte sans gomme. Je vais mettre la poêle, j'ai jamais de bruit pour oublier. On va mettre avec la viande. Donc je prends la couche on a balancé si pour bah on va mettre dans les locales là ça doit dorer donc voilà donc si on peut les mettre on est dans notre couche et puis on a facilité le bout de ça donc l'idée c'est et doré moins d'ambre moi bah couleur il y a gris ouais n'est pas moi pâle et long et après on va faire la sauce. Vous allez voir avec les légumes que j'ai acheté pour la viande. Donc on va laisser un peu dorer quelques minutes aussi. Là je suis en train de éplucher dans l'ombre là-bas pour son courgette. On en tient la carte à viande. Et puis maintenant nous allons couper les poivrons. Et après on va mettre aussi un peu d'aubergine. Je vais enlever la viande, je pense que c'est bon et béli. Je vais mettre ça dans la marmite. Hein.
Voilà. On jette comme ça. Et je vais les couper comme ça en deux. Voilà, c'est ce que je vais mettre dans la viande. Un encatasco poivron. Ouh. Ça c'est les poivrons, maintenant je vais passer aux oignons. Oignons rouges comme d'habitude. Je ne pense que non, bah que ça n'aime pas, hein. Voilà, je pense que c'est bon pour les oignons. Mais après, je vais prendre un peu de céleri aussi. Linga céleri, ça sent très bon. Vous êtes tapé, hein? On va faire sauter la viande avec les légumes. Désolée, il y a la viande dans la bouche. Première étape, il y a pour faire sauter la viande et les légumes. Donc là, j'ai mis la viande au feu que je viens de frire tout à l'heure. J'attends que Moto et Balanana vont au bouquet pour que je commence à faire sauter la viande avec un peu de, avec tous les légumes que j'ai coupés. Donc on attend un peu. Donc je viens de renverser les courgettes, poivrons, demi, la céleri.
je vais ajouter un peu de poivre blanc. On a déjà les légumes et comme déjà on est, surtout courgettes. La sauce, c'est que vous en appelez ça tomate. Non. Non, ça, on va bon. Comme déjà le moment. Pour déjà mal. Qui tombe encore pour avant. La recette est maintenant à Maxime. Ah! Les arbres en retard, la pire à TV, ils ont proposé une idée. Peut-être que les légumes, on a tiré un gombe, ils ont les légumes dans la préférée. On a courgette, mingi, on a poivron, mingi, ndembi, céleri. D'ailleurs, on a le droit de faire un petit peu de temps. Maman, elle a fait un petit peu de temps. Et maman, elle a fait mingi. Et bien, écoute. Et bien, les âmes comme ça, on a maintenant, on a même ma déesse, la bisson. On est au lama, la goma. Namba la rouge. Voilà, et l'autre sauté dans l'eau. Donc, calmement, madame, ben, donc, pas de problème, et l'autre sauté dans l'eau. Alors, tout le monde, on va le sabouer, l'autre sauté, non, ça peut former dans l'eau. Il y a piment na ail. On a la chambre na kati ya ngombe. On a des une formule magique. Ça doit être top. Il y a un soin, mais ça. Il y a pipi à goma, tu es. Pipi à goma, notre piment de chez nous. Tu as mis sur ça, ils arrivent à goma. Dans la sauce, la paix rouge, dans la roi, mon orange. C'est une sauce au salon. Vous allez à bout, mato, maman, comme t'as l'action. Oui, maman, t'as l'action. La colle à fond. Donc, la suite. Je mélange encore. Mon descendant des je pense que c'est prêt, hein. Donc, mais quand même, je sais un peu de savon. Pour moi, il va pour avant, il y a pété, ma casse pété. Mais je pense que ça va. Bon, on a quelques courgettes. Et les mbipenza. Vous voyez un peu. Moi, sauce, non, on peut des salami. Je pense que c'est pour tout ça, c'est pour. Là, je vais faire le riz. Nous sommes au cerf, bien en haut. Elle est sur elle va nous amener tous ces analyses en haut. T'as besoin de comment non? Il y a un mot. Je mets un peu de sel.
Allô, j'ai des gens. Je vais mettre un peu de sel. Moi, c'est comme doré, bon. Après, au chemin. L'eau se bélie, donc c'est bon. Et en attendant, je vais chauffer un peu le matembe. Pour nous, la lamba qui on a ma foute en bille là, les vandaï bon sur moi ma foute karamaki. Donc je vais chauffer avant de lire. Donc on va laisser quelques secondes et j'aurai mon moto et puis on va manger. Faire ma cuisine, donc j'ai dressé la table avec mes invités. Donc là on a la viande de bœuf, le thé aux légumes, le riz, le matembele avec le poisson fumé et la chikwangue pour ceux qui n'aiment pas en manger avec le riz. Personnellement moi je mange avec le riz. Et j'ai mon invité Emmanuel Tara qui aime manger. Et j'ai mon autre invité Chris. Mon petit frère du quartier qui adore manger la bonne cuisine, évidemment. Donc, nous allons passer à table. Emmanu, oui. Fais une petite prière, s'il te plaît. Oh. Seigneur. Oui, le Seigneur. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ces repas. Bénis la source de providence. Bénis la personne qui a donné son temps pour faire ses repas. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh, amen. Emmanuel, toujours aussi cool. Donc, on se sert et vous allez donner la suite quand vous allez déguster le plat. Chikwangure. Emmanuel, je te mets le riz. Ok. Bah, tu mets ça là, hein. On va mettre du riz. Qu'est-ce que moi je pensais que vous dire quoi, Matt? On a besoin d'un bel foufou. On s'en fout, chérie. L'essentiel. Mais moi je trouve que Matt est meilleur. Ils appellent Matt est meilleur. Tu vas voir comment. C'est bon, je m'arrête. Ouais, arrête. D'accord. Ça a l'air bon. Ça a pas l'air, c'est bon, d'être. C'est bon. Tu pourras prendre la viande seule, hein, c'est de ton côté. Donc Chris, tu te sers la chikwangue de ton côté. Moi, je vais prendre le riz. C'est la viande de bœuf. C'est avec cette cuillère, c'est super. Serre-toi. Oh Seigneur, quelle journée délicieuse! Bon appétit! Merci! Bon appétit! Merci! Oh. Donc ils vont déguster! Ah, là, là. Tu peux mettre le riz à côté de toi, s'il te plaît? Moi personnellement. Bon appétit. Merci par là. C'est bon? C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. J'ai pas trop salé ça aussi.
Trop de mouches, je ne comprends pas pourquoi. C'est bon? Ouais, c'est très bon, les menus, c'est bon. Ah, tu aimes? La viande, c'est bon. Oh, le bâtiment pour caméra, ils ont sonné. Non, mais c'est bien. Table avec mes invités. Donc là on a la viande de bœuf, le thé aux légumes, le riz, le matembele avec le poisson fumé et la chipong pour ceux qui n'aiment pas en manger avec le riz. Personnellement moi je mange avec le riz. Et j'ai mon invité Emani Tara qui aime manger. Et j'ai mon autre invité Chris. Mon petit frère du quartier qui adore manger la bonne cuisine, évidemment. Donc, nous allons passer à table. Et Manu, oui. Fais une petite prière, s'il te plaît. Oh. Seigneur. Oui, le Seigneur. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ces repas. Bénis la source de providence. Bénis la personne qui a donné son temps pour faire ses repas. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh, amen. Et Manu, toujours aussi cool. Donc, on se sert et vous allez donner la suite quand vous allez déguster le plat. Chikwangouri. Et Manu, je te mets le riz. Ok. Bah, tu mets ça là, hein. On va mettre du riz. Qu'est-ce que moi je pensais vraiment dire quoi, Matt? Ah, on a besoin d'un bel foufou. On s'en fout, chérie. L'essentiel. Mais moi, je trouve que Matt est meilleur. Oh, ils appellent Matt et Mélindé à nous. Tu vois, c'est bon, je m'arrête? Ouais, arrête. Hein. D'accord. Mmh. Ça a l'air bon. Hein. Mmh, ça a pas l'air, c'est bon, dé. C'est bon. Tu pourras prendre la viande seule, hein, c'est de ton côté. Donc Chris, tu te sers. La chikong est de ton côté. Moi, je vais prendre le riz. C'est la viande de bœuf. C'est vrai que c'est plus bien, c'est plus clair. C'est à toi. Oh Seigneur, quelle journée délicieuse.
Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Oh. Donc ils vont déguster. Ah, et puis là, là. Tu peux mettre le riz à côté de toi, s'il te plaît. Moi, personnellement. Bon appétit. Merci, Paria. C'est bon? C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Je pas trop salé, ça aussi. Bouger, hein. Il y a trop de mouches, je comprends pas pourquoi. C'est bon? Ouais, c'est trop bon, les légumes, c'est bon. Ah, tu aimes? La viande, c'est bon. Oh, le bâtiment pour caméra, ils ont la sonné. Non, mais c'est bien. La table avec mes invités. Donc là on a la viande de bœuf sautée aux légumes, le riz, le matembele avec le poisson fumé et la chikwangue pour ceux qui n'aiment pas en manger avec le riz. Personnellement moi je mange avec le riz. Et j'ai mon invité Emmanu Tara qui aime manger. Et j'ai mon autre invité Chris. Mon petit frère du quartier qui adore manger la bonne cuisine, évidemment. Donc, nous allons passer à table. Emmanu, oui. Fais une petite prière, s'il te plaît. Oh. Seigneur. Oui, le Seigneur. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ces repas. Bénis la source de provenance. Bénis la personne qui a donné son temps pour faire ses repas. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh, amen. Emmanu, toujours aussi court. Donc, on se sert et vous allez donner la suite quand vous allez déguster le plat. Chikwangue. Emmanu, je te mets le riz. Ok. Bah, tu mets ça là, hein. On va mettre du riz. Personnellement, je pensais que vous demandiez quoi, Matt. Ah, la bouffe, on a mis le foufou. On s'en fout, chérie. L'essentiel,
Mais moi je trouve que maté mais ils appellent maté mais les nous. Tu vois, c'est bon, je m'arrête. Allez, arrête. Hein. D'accord. Mmh. Ça a l'air bon. Mmh, ça a pas l'air, c'est bon, dé. C'est bon. Tu pourras prendre la viande seule, hein, c'est de ton côté. Donc, Chris, tu te sers la chicongue de ton côté. Moi, je vais prendre le poulet. C'est la viande de bœuf. C'est avec ces cuillères, s'il te plaît. Serre-toi. Oh Seigneur, quelle journée délicieuse. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Oh. Donc ils vont déguster. Ah, là, là. Tu peux mettre le riz à côté de toi, s'il te plaît. Moi personnellement. Bon appétit. Merci par là. C'est bon? C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. J'ai pas trop salé ça aussi. Bouger, hein. Trop de mouches, je comprends pas pourquoi. C'est bon? Ouais, c'est trop bon, les légumes, c'est bon. Ah, tu aimes? La viande, c'est bon. Oh, le bâtiment pour caméra, ils ont la sonné. Non, mais c'est bien pour toi. J'ai dressé la table avec mes invités. Donc là, on a la viande de bœuf sautée aux légumes, le riz, le matembele avec le poisson fumé et la chipong pour ceux qui n'aiment pas en manger avec le riz. Personnellement, moi, je mange avec le riz. Et j'ai mon invité Emmanuel Tara qui aime manger. Et j'ai mon autre invité Chris. Mon petit frère du quartier qui adore manger.
la bonne cuisine, évidemment. Donc, nous allons passer à table. Emmanuel, oui. Fais une petite prière, s'il te plaît. Oh. Seigneur. Oui, le Seigneur. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ces repas. Bénis la source de providence. Bénis la personne qui a donné son temps pour faire ses repas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, amen. Emmanuel, toujours aussi cool. Donc, on se sert et vous allez donner la suite quand vous allez déguster le plat. Chikwa Ngouré. Emmanuel, je te mets le riz. Ok. Bah, tu mets ça là. Hein. On va mettre du riz. Qu'est-ce que moi je pensais au moment de quoi, Matt? Ah, la bouffe, on a mis le foufou. On s'en fout, chérie. L'essentiel. Mais moi je trouve que Matt est meilleur. Oh, ils appellent Matt et Mélindé à nous. Tu vas voir comment. C'est bon, je m'arrête? Ouais, arrête. Hein. D'accord. Mmh. Ça a l'air bon. Mmh, ça a pas l'air, c'est bon, dé. C'est bon. Tu pourras prendre la viande seule, hein, c'est de ton côté. Donc, Chris, tu te sers. La chikongi de ton côté. Moi, je vais prendre le riz. C'est la viande de bœuf. C'est à toi. Oh Seigneur, quelle journée délicieuse. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Oh. Donc ils vont déguster. Ah, il est là. Tu peux mettre le riz à côté de toi, s'il te plaît. Moi, personnellement, bon appétit. Merci, Paria. C'est bon? C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. J'ai pas trop salé ça aussi. Bouger, hein. Trop de mouches, je comprends pas pourquoi. C'est bon? Ouais, c'est trop bon, les légumes, c'est bon. Ah, tu aimes? La viande, c'est bon. Oh, le bâtiment pour caméra, ils ont rassonné. Non, mais c'est bien, pourquoi pas. Sur 10, hein. Mmh. 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 Mmh.